Matthieu ne devait pas être très fier quand Jésus s'est approché de lui. Il vient le voir à son bureau et pourtant il avait une activité pas honorable. Vous savez, à l'époque, la Palestine était envahie par l'Empire romain et l'Empire romain attendait de toutes ces provinces soumises, eh bien, qu'elle paye des impôts, qu'elle apporte de l'argent. Et lui était chargé de récolter cet argent. Donc non seulement il était collaborateur, mais en plus, il récoltait un peu plus, c'était le principe, et il gardait le reste. Matthieu n'était donc pas bien fier. Et d'ailleurs, on se chargeait de lui faire sentir. Et pourtant, lui qui sentait bien que sa manière de vivre, ses choix, et peut-être son amour de l'argent, cet amour de l'argent que Amos dénonçait avec beaucoup de force dans la première lecture, avec son amour de l'argent, en même temps, certainement, dans son cœur, il avait un désir de voir Jésus, un désir de le rencontrer. Mais, étant donné son activité, il ne pouvait pas s'approcher. C'est Jésus qui s'approche. De la même manière, à Lourdes, en 1858, dans ce petit village perdu dans les Pyrénées, la dernière personne à qui on aurait pu penser pour que la Vierge Marie s'adresse à elle et lui confie son message et cette grande mission dont nous bénéficions encore des fruits aujourd'hui, ben c'était bien Bernadette. Une famille pauvre, un père mis en prison, certes injustement, mais le doute demeure, avec la maladie, on a à peine de quoi manger. Et c'est elle que Marie choisit. Dans les deux cas, une même interpellation, « J'ai besoin de toi ». Jésus a besoin de Matthieu, le collecteur d'impôts. Mais enfin, Seigneur, tu ne pourrais pas choisir mieux. Jésus a besoin de Matthieu. Jésus, par l'intermédiaire de Marie, a besoin de Bernadette. Mais enfin, à Lourdes, il y avait quand même un peu mieux. Jésus a choisi Bernadette. Jésus a besoin de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes connus par notre nom. Et nous avons à entendre, et je pense que le pèlerinage est un moment particulièrement favorable pour cela, nous avons à entendre cet appel de Jésus nous dire « J'ai besoin de toi ». Et peut-être qu'il nous le dit par Marie, comme pour Bernadette ici. Ici même, devant cette grotte. Repartir de ce pèlerinage, c'est repartir en ayant entendu cette parole de Jésus et en sachant un peu mieux y répondre « Comment est-ce que Jésus a besoin de moi ?» La pire des choses à lui dire, c'est « Je suis inutile ». Ça, c'est faux. Et Jésus nous dit « Non, j'ai besoin de toi. »« Oui, mais je suis malade. J'ai besoin de toi. »« Mais je suis âgé, je ne peux plus rien faire. » J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta prière. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton sourire que tu peux donner à ceux qui te soignent et qui s'occupent de toi. J'ai besoin de ton attention, peut-être à ceux qui autour de toi sont encore plus en difficulté. J'ai besoin de toi plus jeune aussi. Quelle que soit notre situation, laissons Jésus nous rejoindre et nous dire « J'ai besoin de toi » et repartant de ce pèlerinage en disant « Mais comment mieux répondre à cet appel du Seigneur ?» Notre vie est importante. Chacune de nos vies est importante. Pas seulement le passé, quand on était en bonne forme, qu'on faisait beaucoup de choses ou qu'on avait des responsabilités. Aujourd'hui, notre vie est importante. Et si le Seigneur nous rappelle pas maintenant, eh bien c'est qu'on a encore des choses à vivre aujourd'hui. Il a encore besoin de nous. Et nous avons à saisir que notre vie est une mission. Notre vie est ouverte aux autres, est ouverte à Dieu. Elle a une signification beaucoup plus profonde que les simples activités que nous faisons. Pas forcément pour faire des choses extraordinaires qui seront remarquées de tous, mais la qualité de notre amour, la qualité de notre prière, la qualité de notre ouverture aux autres, la qualité de notre engagement, la qualité de l'amour que nous faisons, que nous mettons dans toutes nos activités quotidiennes. Cardinal Tuan, qui a passé un certain nombre d'années en prison, complètement isolé,
Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Il était à devenir fou et en disant, ben non. Ce que je vais faire, c'est remplir, combler l'instant présent d'amour. Je peux rien faire, je peux pas m'occuper de mon diocèse, je peux rien faire. Je vais remplir d'amour l'instant présent. C'est cela que Jésus a besoin. C'est cela que Jésus nous demande. Mais pour ça, il y a une condition, celle qu'il donne à Matthieu dans l'Évangile, « Suis-moi ». Nous ne pourrons pas être utiles à Dieu, aux autres et au monde si nous voulons le vivre par nous-mêmes. C'est avec le Seigneur, c'est avec son amour, c'est avec sa force, c'est avec sa grâce que nous pourrons découvrir notre place, que nous pourrons l'occuper, que nous pourrons porter du fruit malgré notre faiblesse, malgré notre maladie ou notre âge, malgré aussi peut-être tous ces péchés, tous ces poids que nous portons. On les remet au Jésus et on lui demande d'être avec lui, témoin de son amour. C'est le sens de l'Eucharistie. Ici, Bernadette est venue entendre Marie lui dire « J'ai besoin de toi, un message pour le monde, un lieu de grâce. Ici, nous aussi, nous avons à entendre le Seigneur nous redire « J'ai besoin de toi » et nous allons célébrer l'Eucharistie pour que le Christ se donne à nous, pour qu'il puisse réaliser en chacune de nos vies les merveilles qu'il souhaite faire. C'est sa grâce, c'est notre joie. Jésus n'est pas venu appeler les justes, les parfaits, les tout-puissants. Il est venu appeler les pécheurs. Nous en sommes. Écoutons son appel. Laissons-nous rejoindre par lui. Accueillons-le pour nous donner aux autres et à lui. Amen.